salle à 11h. C'est du jamais vu, j'en perds mon latin et surtout mes mathématiques. Vous allez vous les retrouver grâce au film d'Anna Novion qui est avec nous, la réalisatrice du Théorème de Marguerite, accompagnée de Julien Frison de la Comédie Française. Et monsieur Jean-Pierre Darroussin. Ça me fait du chaud au cœur hein, parce que c'est un film pour lequel je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup battu. Bonjour. Benoît, ça y est, c'est le grand moment, le moment attendu quand on fait un film. Il faut enfin le montrer aux spectateurs. La salle est à vous. Ah oui, c'est la première. Vous êtes vraiment les premiers à voir le film. C'est-à-dire qu'on a fini le film juste avant l'été. Vous allez voir, c'est l'équipe la plus complète qu'au Brésilien, l'équipe la plus complète, collectivité du cinéma pour ce festival dénué de tout snobisme à l'image de ce film. Juste avant de donner le micro à Sonia, un film qui compte dans Marie-France Brière, puisque tourné dans la région, parlant de la région, et je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir le président du conseil départemental qui va nous dire un mot autour du film. Où est-il ? Il est là. Il y a Fadette Roy qui est la scénariste de ce film. Bon, il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde. Je voudrais vous remercier en tout cas d'être venu rencontrer ces acteurs, ces personnages, cette histoire qui a été la mienne, qui sert ce film, mais qui est une véritable fiction. La seule chose qui est vraie, c'est le cheminement de Nadia dans ce film. Tout le reste n'est que fiction, mais réel aussi, puisque j'ai voulu protéger les protagonistes qui m'ont témoigné en fait leur histoire. C'est un film qui compte pour moi parce que c'est un film qui met à l'honneur le monde populaire, qui met à l'honneur aussi le courage d'une jeune femme qui va tenter une aventure complètement folle, loin de ses idéaux, loin de ses rêves en fait, mais qui va devenir un rêve, portée par des parents merveilleux, interprétés par Thierry Godard et Mata Gabin, portée aussi par une solidarité populaire portée par Marianne Serva, Tasset Dit, Mandy, oh putain, je vais y arriver, Lilian, Elman, il y a du monde, hein, je vais lever les bras si je vous dis, Nera, enfin, il y a du monde, et vous allez voir à travers ce film,
cette solidarité populaire, on en parle évidemment, mais parce qu'il était nécessaire d'en parler aujourd'hui. C'est un conte de fées moderne, ça fait rêver, ça fait du bien. Moi, ce que j'ai vécu est exceptionnel. Ça m'a permis de changer beaucoup de choses, mais c'est ce que je voulais offrir à travers ce film. Et puis merci, je ne sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est pas pour vous, on va vous passer par bien de couleur. Et pour le producteur, nous passons au public. C'est la 10e salle qui est comme ça, pleine, c'est complètement dingue. Certaines étaient plus petites. Oui, vous avez une très grande salle, moi. Merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur et c'est surtout ça nous rassure de voir autant de monde parce que le film sort le 27 septembre. Et donc c'est toujours un moment un peu angoissant pour un réalisateur qui se demande comment ça va se passer le jour de la sortie. Est-ce que les gens ont envie, est-ce qu'il y a une attente voilà, de voir ce couple réuni à l'écran. Voilà, moi c'est le couple dont je rêvais pour mon film. D'abord parce que ce sont des grands acteurs, mais aussi parce que ce sont mes amis de longue date. Donc voilà, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Oui, c'est vrai. Mais on est amis depuis le début des années 80. Nous étions quasiment enfants. Et on s'est connus... François Feldman n'existait pas, imaginez-vous. Franck et moi, on s'est connus à Rouen. J'avais 14 ans, lui était nettement plus âgé. J'avais fait nos études, après on est partis à Paris ensemble. Et c'est lui qui m'a présenté Philippe en 1986. Quand eux s'étaient rencontrés au camping en 1983. Donc vous avez qu'à voir, ça fait vraiment du temps. Et c'est vrai que, voilà, on rêvait de faire du cinéma, on rêvait d'être acteur. On rêvait pas d'être réalisateur, mais on rêvait plutôt d'être acteur. Hein, ouais, absolument. Oui, absolument. Et si on avait pu se téléporter et voir qu'un jour on serait là à présenter ce film pour la première fois devant des gens à Angoulême, je dois dire que... On ne connaissait pas Angoulême déjà. On ne connaissait pas où c'était sur la carte. D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que donc une fois que le film va sortir, là tout de suite, il n'y a plus personne dans les rues d'Angoulême. C'est vrai, toutes les images, toutes les lumières sont éteintes. Ça fait plaisir que presque tout Angoulême soit là, dans cette salle. Non, dans toutes les salles, là, ça fait beaucoup de monde. Hein. J'espère qu'il en reste pour venir voir le film après. Vos amis, si jamais ça vous a plu, à qui vous allez dire « Va voir Nouveau Départ » avec Karine Viard et Patrick. Ou vous, hein, si vous avez envie de le voir. Oui, vous. Oui, si vous avez... Bah, bien sûr. Allez. Non. J'ai senti te pencher vers moi. Et on va devoir aller voir, aller fouiller d'autres salles. La dernière salle. Et parce qu'ils attendent eux depuis une heure. C'est pas vrai. Ne riez pas, s'il vous plaît. En plus, quand vous allez voir le film, vous allez voir que ouf, avoir attendu une heure, c'est beaucoup. Non, vous êtes nous. Mais en tout cas, on vous laisse avec le film. Nous, on vous prie de nous excuser d'avoir fait attendre, mais il fallait voir tout le monde. Et on vous fait un gros bisou, un gros merci d'être venu. Merci, monsieur.
Hahn, que l'on retrouve aujourd'hui comme acteur et surtout comme réalisateur. Celle-là, c'est sûr. Ça se voit. Tu dis ça à chaque fois. Ça se voit. C'est vrai aussi. Mais, non, merci vraiment d'être là. Du fond du cœur, vous êtes les premiers au monde à voir le film. Avant les Américains. Voilà. Non, vraiment, vous êtes les premiers. Le film sort dans longtemps. Il sort le 29 novembre. Donc, si vous parlez du film, à part dire que c'est génial, non, juste ne racontez pas l'intrigue, enfin, pas de spoiler sur le film, s'il vous plaît. Parce qu'on a vraiment besoin de garder ça un peu secret jusqu'au 29 novembre. Et puis voilà, bah, c'était une aventure particulière, on va pas s'étaler trop parce qu'on n'a pas vu le film. Voilà, c'est un film particulier, c'est un film bien de chez nous, qui se passe en France, dans les années 50, dans le Nord, aussi tourné pas loin d'ici, pour ceux qui reconnaîtront une petite scène. Mais c'est un film qu'on a mis beaucoup d'énergie à faire, beaucoup de sueur, hein, beaucoup de temps, beaucoup de transpiration. On a tourné notamment sur les 8 semaines, on a tourné 6 semaines dans le noir, complet. Puisque on rentrait, il faisait nuit, on sortait, il faisait nuit. Voilà, 16 degrés, 85% d'humidité. C'était drôle. D'abord, ça se ressent dans le film. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos fauteuils pour reprendre ton expression magnifique. Ce sera sur l'affiche. Ouais. Tu parles des conditions de tournage, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un film éclairé à la frontale quand même. C'est plus compliqué que la frontale, parce que le chef empiré, quoi, c'est pas une frontale. Et puis les prods diraient, elle nous a coûté 1800 balles la lampe, t'en as ça. Et c'est très compliqué, ça a été tout un truc fabriqué sur mesure, mais oui, effectivement, même l'équipe était à la frontale. Voilà. Le prochain au Bahamas, les gars. Je vais laisser Samuel un petit peu parler. Oui, c'est vrai que c'était très très dur comme tournage, mais c'est pas ça l'essentiel, mais... on n'avait pas le choix que de se donner à fond, puisque de toute façon on était sous terre, on avait froid, la moitié de l'équipe est tombée malade. Enfin, vous savez, il y a des fois des tournages, on dit c'est un tournage difficile. Non, là c'était le plus difficile que j'ai jamais fait. Mais on avait un truc pour nous, c'est que du coup on était soudés, on était ensemble, on travaillait ensemble. Et donc on a essayé de vous... donner le maximum pour que vous passiez un moment, en tout cas pour vous faire voyager. Donc j'espère que ça va marcher.